Ma carte bancaire, la carte de Nasdaq, elle sera bien mise en story le 16 juin, c'est sûr et certain. Eh, hey, dinguerie, non, là, carrément, allez chercher tout ce que vous avez à grignoter. Non, là, carrément, story time. Ouais, là, ce matin, je suis tombée sur une vidéo d'une meuf qui disait, ouais, la fameuse carte de Nasdaq. Eh, hey, le temps, ça faisait à quelqu'un qui pense. Yo, la team, vous savez quoi, le 16 juin, Nasdaq va encore balancer quoi, sa carte bancaire. Vous savez, quand il balance sa carte bancaire, c'est quelque chose de malade. Les gens qui courent par-ci, par-là, et les sites bug, voilà, les sites Amazon, partout ça bug. Voilà, on espère que, voilà, cette fois-ci, ça va pas être le cas, puisque lui-même a expliqué cela, qu'il a trouvé voilà, une banque qui va gérer cette situation. Donc, le 16 juin, tout le monde sera aux aguets, voilà, c'est ça, pour tabasser la carte bancaire de Nasdaq. Je vous dis pas, il y a eu des gens qui ont donné des réactions de ouf, des réactions de fou, je sais pas comment je peux vous dire, mais c'est une dinguerie, les gens qui donnent leur réaction. Mais toi qui me regardes en ce moment, tu sais, tu connais l'affaire, c'est pour ça que tu as cliqué sur la vidéo. Tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi? Comment tu te prépares? Dis-moi ça dans les commentaires pour la carte bancaire de quelqu'un d'autre. Et la carte de bancaire de quelqu'un d'autre, les gens sont chauds comme ça. Voilà, on aime le gratuit. Qui n'aime pas gratuit ici, là? Donc, n'hésitez pas à abonner-vous, commenter pour être au courant des actualités. Puisque le 16 juin, je fais une vidéo de malade. Pourquoi pas? Moi, je vais en profiter. On sait pas. Hein. Voilà, on va acheter des matos, non? Donc, les gars. Ça me fait rire même. Et je vous laisse regarder la réaction des gens. Et puis voilà, la façon dont même et Nasdaq lui-même a annoncé cela. Je vous laisse regarder ça. Bientôt, Nasdaq, il va mettre sa carte dans sa story. C'est gâté. Ça rien de me dire, ouais, venez, on partage, on prend un peu. Je vais prendre un voyage à Dubaï pour octobre. C'est gâté. Je laisse rien à personne. Vous allez me voir dans sa story. Je vais activer les notifications. Je vais que actualiser. Moi, c'est gâté. L'année dernière, j'ai pas profité. Il y a des gens, ils ont acheté des plays, des ci, des ça. Si cette année, je prends pas un voyage pour partir à Dubaï, c'est que je m'appelle pas Junior. Et en plus, il y a des gens qui disent, non, mais laissez un peu, etc. Venez, on fait des petits paniers de 100 euros chacun. Eh, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous, au fait. Ouais, compris, au fait. Chacun va se gérer, en fait. Je vais débaliser la carte, je vais screener, mais jusqu'à je vais pirater, je vais scammer, je m'en fous, en tout cas. Cette année-là, j'ai la carte de Nasdaq. Et puis, s'il y a des gens qui sont trop fâchés, prenez aussi vos voyages, en fait. On n'a qu'à tous prendre des voyages, en fait, parce que c'est facile, les paniers, les cils, les ça, les niantants. Il va mettre sa carte, je me prends un voyage, aller-retour, hôtel, Airbnb, en fait. Hi. Des trucs comme ça, il n'y a pas ça, hein. Deux fois dans la vie, hein. Faut profiter, en tout cas. On a dit c'est le 16 juin ou 19 juin, je sais pas, mais en tout cas, quand Nasdaq va mettre sa carte, je vais me payer un voyage. Salut. Eh, hey, dinguerie, non, là, carrément, allez chercher tout ce que vous avez à grignoter. Non, là, carrément, story time. Ouais, là, ce matin, je suis tombée sur une vidéo d'une meuf qui disait, ouais, la fameuse carte de Nasdaq. Eh, hey, le temps, j'attendais à quelqu'un qui pense de ça. Ce jour-là était mémorable, mais c'était tellement mémorable. Quand je vous dis, on a découvert de nouvelles têtes, hein. Eh, hey, faut que je vous raconte. Non, la toute première fois où Nasdaq, il avait mis sa carte. Fallait savoir que moi, j'étais grave à l'affût sur TikTok. C'est-à-dire que moi, j'avais déjà vu la vidéo en avance, ouais. Genre, moi, je savais déjà l'heure à laquelle il allait mettre la carte et tout. Mais moi, vous voyez, genre, moi, j'y croyais pas au truc comme ça. Je me suis dit, Belex, c'est faux, t'as vu. Genre, je me dis, vas-y, je vais voir pour voir si les autres, ils arrivent à commander. Et après, moi, je vais essayer, vous voyez. C'est pas maintenant, je sais plus, il avait mis une heure en mode 18h ou un truc comme ça. C'est pas maintenant, j'arrive à leur pétanque, je suis devant son snap à leur pétanque, là où il a tourné la carte. En fait, j'ai pas bougé. Genre, je suis juste regardé, je me dis, ah ouais, il a mis sa carte, c'était vrai. Mais genre, sans plus, j'ai même pas cherché à essayer rien. Après quelques temps sur les réseaux, je voyais tout Nasdaq, il a percé. Les gens sont là en mode, ouais, hey, la carte à Nasdaq, c'était vrai et tout. Et j'avais trop le seum. Parce que moi, genre moi, j'avais pas... j'avais rien fait, en fait. Même pas cherché à essayer rien, nada, niet. On rappelle à la deuxième fois qu'il avait dit qu'il allait mettre sa carte, il avait dit qu'il allait mettre une plus grosse somme d'argent. C'est-à-dire là, j'ai prévenu toute ma famille, mes frères et soeurs, parce que eux, ils étaient pas au courant, parce que eux, ils avaient pas vu, tu vois. Seva arrive le jour où Nasdaq devait mettre sa carte. Il a dit qu'il allait la mettre vers le soir et tout. C'est-à-dire, nous, on était comme ça devant nos téléphones, parce qu'on faisait que de renouveler la page et tout. Comme de par hasard, les gars, ce jour-là, au téléphone, il a fait une mise à jour. Mon téléphone, il s'est éteint. Ça veut dire que moi, j'ai pu rien faire. Et pas maintenant, les gars, tout était prêt. Mara, il avait mis son ordinateur en place. Ma soeur, elle avait préparé tous ses paniers JD, Chine, tout. Ils avaient tout préparé. Jusqu'à Marie, elle avait préparé son téléphone pour directement retourner, pour mettre sur l'ordinateur, taper le code, tac, tac. C'est pas Nasdaq, il met sa carte, les gars. Ce jour-là, c'était tellement drôle. Quand je me dis, c'est pas, on a commencé à dire à Mara, Mara, aide-nous, aide-nous. Moi, déjà, j'arrivais plus parce que mon téléphone, il était en train de faire une mise à jour. C'était là, Mara, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Mara, il était en train de dire, hey, laissez-moi et tout. Jusqu'à ce qu'on a découvert de nouvelles têtes ce jour-là. Ma
dis ce jour-là, Mara, il a changé, hein. Hey, c'était une dinguerie. Qu'à un moment, ma soeur, on s'est regardé, on a dit, non. Ah ouais, parce que le pire, c'est que personne n'a réussi à se rendre. Oh, je vous dis, c'était une dinguerie, hein. Eh non, Nasdaq, il nous a fait faire des folies, hein. Ma carte bancaire, la carte de Nasdaq, elle sera bien mise en story le 16 juin, c'est sûr et certain. Et cette fois-ci, vous verrez, hein, je vous donnerai plus de détails. Plus personne n'aura aucune excuse. Si ça a mis autant de temps à l'acheter, c'est qu'aucune banque n'acceptait le fait que je mette ma carte en story. La première fois, ça a fait bugger des centaines et des centaines de sites internationaux. Amazon, Adidas, Nike, la Fnac. Et l'acheter, là, on a trouvé une banque. Ça fait 3 mois qu'on discute avec eux, avec mes équipes. Vous verrez bientôt. Bon, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que tu l'as aimé. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à laisser un like, à partager, puis à me donner quoi, ton avis dans les commentaires. Ça va me faire grave plaisir. Bye. Regarde une de mes dernières vidéos.